mener ton art sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé sur un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Sans l'autre Dieu. Mais j'aimerais ne pas prier seul ce soir, j'aimerais qu'un cœur se lève, qu'une âme également se lève, un esprit se lève pour rendre grâce à notre Dieu, parce que nous sommes là, si nous avons rentré les deux pieds en 2023, certains ont rentré un pied, l'autre est resté, c'est une grâce. J'aimerais que nous puissions encore ouvrir nos bouches et rendre grâce à notre Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons lui dire merci? Ne serait-ce merci? Tout le mois de décembre,
dit merci à notre Dieu. Nous voulons encore au mois de janvier lui dire merci. Nous avons fini l'année 2022 en lui disant merci. Nous voulons rentrer en 2023 en lui disant également merci. Est-ce que tu peux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi? Combien il a gardé ta famille? Combien il a gardé nos familles? Combien il a gardé nos vies? Combien il a gardé notre présent, notre futur? Ah, il est merveilleux ce Dieu. Nous voulons lui dire merci. Alléluia. Si nous pourrions avoir un son, une bande sonore, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci Seigneur, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier, nous voulons te dire à quel point tu es bon, à quel point tu es merveilleux. Toi qui nous as fait rentrer en 2023, ça a été une grâce. Je connais beaucoup de personnes qui sont restées en 2022. Je connais beaucoup d'hommes, de femmes qui sont restées en 2022. Mais moi, à qui tu as permis de rentrer en cette année 2023, cette année de la domination, cette année où je rentre dans le règne, cette année où je rentre dans ma victoire. Père, j'aimerais te dire merci. Père, j'aimerais te remercier. Père, j'aimerais te dire merci. Merci. Merci d'un cœur si reconnaissant. Tu es glorieux. Tu es merveilleux. Tu as gardé ma famille. Tu as gardé ma femme et mes enfants. Tu as gardé ton église. Tu as gardé tes enfants. Tu as gardé toutes tes brebis. Personne n'a été écarté. Personne n'a été mis de côté. Mais tu nous as tous gardés. Tu nous as tous protégés. Laisse-moi te dire merci. Je suis si heureux de voir le cœur de mon frère. Je suis si heureux de voir les yeux de mon frère et de ma sœur, parce que tu nous as donné la grâce, l'opportunité encore de nous retrouver en cette année 2023. Alors laisse-nous te louer, laisse-nous te lever, laisse-nous t'adorer, laisse-nous Seigneur te rendre de multiples actions de grâce. Nous voulons l'acclamer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu-là? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu-là? Ce Dieu qui mérite la gloire et la louange. Nous t'acclamons ce soir. Nous élevons nos mains pour t'élever ce soir. Nous élevons nos mains pour te glorifier. Nous élevons tes mains afin que tu sois, oh, glorifié, oh, roi des rois. Tu es le roi de tous les rois. Tu es le roi de tous les rois. Il n'y a aucun qui est au-dessus de toi, Seigneur. Merci, merci, merci encore. Merci parce que l'année 2023 m'a été donnée. Toute l'année m'a été donnée. Janvier m'a été donné. Février m'a été donné. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Toute l'année 2023 m'a été donnée. Je te dis merci. Merci pour cela. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté dans ma vie. Je n'ai rien fait, Seigneur. Je n'ai rien fait de si grand. Je n'ai pas été meilleur que les autres. Mais ta grâce a fait la différence. C'est ta grâce qui a fait la différence. C'est ta grâce ce soir qui fait la différence. Oh, je t'aime, Seigneur. Ce soir, j'aimerais te dire que je t'aime. Seigneur, ce soir, j'aimerais te dire que je t'aime. J'aimerais te dire à quel point je t'aime. Te dire à quel point je te bénis. Te dire à quel point je t'honore. Te dire à quel point je te glorifie. Tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Tu es si grand. Tu es si puissant. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ce moment merveilleux. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes déjà dans la présence de notre Dieu, nous voulons demander ce soir qu'il fasse son règne. Qu'il fasse son règne. La Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors nous allons tous dire ce soir, que ton règne vienne. Je ne sais pas dans quelle position tu veux le faire. Je ne sais pas si c'est en marchant, si c'est à genoux. Mais nous voulons que le règne de Dieu se fasse ce soir en ce lieu. Nous voulons que le règne de Dieu se fasse ce soir en ce lieu. Même vous qui êtes connectés, demandez le règne de Dieu dans votre maison. Le règne de Dieu dans votre travail. Le règne de Dieu dans votre maison, dans votre foyer. Nous voulons ton règne. Ce soir, nous ne voulons pas le règne d'un homme, nous ne voulons pas le règne d'une tribu, nous ne voulons pas le règne d'une association, mais nous voulons le règne de Dieu ce soir. Nous voulons le règne de Dieu ce soir, le règne de notre Dieu ce soir. Oh, nous voulons que tu règnes, nous voulons que tu règnes tout au long de cette année, mais particulièrement ce soir, particulièrement dans mon foyer, particulièrement dans ma maison. Règne, oh Dieu,
règne. Oh Dieu, règne. Oh Dieu, règne ce soir. Règne dans ta maison. Règne dans la maison de Dieu. Règne dans cette maison. Règne dans cette église. Règne dans mon cœur. Règne dans ma famille. Règne dans ma maison. Règne dans mon foyer. Règne dans mon travail. Règne dans mes activités. Règne dans mon business. Règne dans tout ce que j'entreprends. Règne dans mes associations. Règne partout où je fous la plante de mes pieds. Règne dans ce pays. Règne à Paris. Règne partout. Règne dans tous les continents. Règne sur la terre. Règne sur la terre. Règne sur la terre. Règne dans ce lieu. Alléluia. Nous voulons ton règne ce soir. Nous voulons ton règne ce soir. Oh, nous voulons ton règne ce soir. Oui, si les ténèbres l'ont ton régné, il est temps que tu règnes maintenant. Si les ténèbres, si l'obscurité a longtemps régné, il est temps maintenant que mon Dieu règne. Si la mort a longtemps régné, il est temps maintenant que mon Dieu règne. Si la maladie a longtemps régné, il est temps maintenant que mon Dieu règne. Oh, nous te laissons la place. Nous te laissons la place ce soir afin que tu puisses régner. Afin que tu puisses régner. Oh, bien-aimé, lève la voix là où tu es. Bien-aimé, bien-aimé, lève la voix afin que le règne de Dieu se fasse ce soir. Bien-aimé, ne reste pas là à ne rien faire. Mais crie, mais crie. Quelqu'un peut-tu crier à son Dieu ce soir? Il est là, il est là, il nous entend. Quelqu'un peut-tu crier à son Dieu ce soir? Oui, Seigneur, que ton règne. Nous voulons crier à toi ce soir. Nous venons crier à toi ce soir. Nous n'avons pas d'autre refuge. Nous n'avons pas d'autre abri. Nous voulons être sous l'abri du Très-Haut. Ah, qu'est-ce que quelqu'un veut être sous l'abri du Très-Haut ce soir? Est-ce que quelqu'un veut être sous l'abri du Très-Haut ce soir? Nous voulons être sous ton abri, Yahweh. Nous voulons être sous l'ombre. Sous l'ombre. Sous l'ombre. Sous l'ombre de Dieu. Sous l'ombre de Dieu. Sous l'ombre de ta main. Sous l'ombre de ta main, sous l'ombre de ta main, Rabababa Chené. Alléluia. Nous confions à toi. Oh, je me confie à toi. Je me suis longtemps confié aux hommes. J'ai longtemps espéré en l'homme. Mais je n'ai plus d'autre choix. C'est maintenant toi. Il n'y a plus que toi. Les hommes, tu les as écartés. Les hommes, tu les as écartés. Les idoles, tu les as écartés. Il n'y a plus que Dieu. Il n'y a plus que moi et toi. Il n'y a plus que toi et moi. Cette affaire, c'est entre toi et nous, Seigneur. Cette affaire, cette année, c'est entre toi et nous. Afin que la domination se fasse, afin que le règne se fasse, afin que le règne de Dieu se fasse. Malébra Baba, Seigneur, viens régner dans nos maisons, là où longtemps l'obscurité a régné, là où longtemps les ténèbres ont régné. Maintenant, il est temps que tu règnes, même dans nos maisons, au travers des réseaux sociaux, au travers de YouTube. Seigneur, règne, règne dans une famille qui a besoin de toi, règne dans une famille qui crie à toi, règne. Règne pour une femme qui crie à toi pour son enfant. Règne pour un homme qui crie à toi parce que ça ne va plus. Règne, Seigneur, dans ces situations. Règne, Seigneur, dans toutes les situations. Nous ne ferons pas les règnes des hommes. Il n'y a aucune situation, il n'y a aucune circonstance où tu ne peux pas régner. Il n'y a aucune circonstance, aucun moment où tu ne peux pas régner. À tout moment tu règnes, à tout moment tu règnes. Même quand ça ne va pas, toi tu règnes. Même quand je suis tombé, toi tu règnes. Même quand il me manque quelque chose, toi tu règnes. Ce soir, viens régner. Ce soir, va régner sur toutes choses. Ce soir, viens régner sur toutes choses. Viens régner sur toutes choses. Allez, blasphème. Amène ton règne. Alléluia. Viens régner. Viens régner. Viens régner, viens régner ce soir, viens régner, viens régner. Bien-aimé, ne laisse pas Dieu passer ce soir. Il est en train de passer, mais il attend que tu le touches. Est-ce qu'il y a un homme qui est prêt à toucher Dieu ce soir? Y a-t-il un homme qui est prêt à toucher Dieu ce soir? Y a-t-il une femme qui est prête à toucher Dieu ce soir? Il est en train de passer, il est en train de passer. Il veut bénir une personne, il veut régner dans ta vie. Mais toi, est-ce que tu es prêt à le toucher? Est-ce que tu es comme cette femme à la perte de sang depuis 12 ans? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt ce soir à le toucher? Alléluia.
Que toi, cette oh, personne ne m'empêchera de te toucher ce soir. Ni mon voisin, ni ma voisine, ni mon enfant, ni ma femme, ni mon mari, personne ne m'empêchera de te toucher ce soir. Personne ne m'empêchera de te toucher ce soir. Parce que ce soir, je veux te rencontrer. Je veux rencontrer le Dieu qui règne. Je veux rencontrer le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Le Dieu qui est éternel. Qui est au-dessus de mon passé, au-dessus de mon présent, au-dessus de mon futur. Le Dieu de tout temps. Le Dieu en tout temps, ma Rabba, c'est toi que nous voulons rencontrer. Alléluia, alléluia, règne, règne, règne. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maladie? Est-ce qu'il y a une maladie qui doit être soumise ce soir? Ah, je parlais, est-ce qu'il y a une maladie qui doit être soumise ce soir? Elle sera soumise au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une situation qui va être soumise ce soir? Elle sera soumise dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a la mort? Il y a la mort qui te menaçait ce soir, elle sera soumise dans le nom de Jésus. Que ton règne, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses citer. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses citer la chose qui a longtemps régné dans ta vie. Tu connais cette chose-là. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la sécheresse? Est-ce que c'est l'aridité? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est le célibat? Je ne sais pas quelle est cette chose qui règne depuis des années, qui a régné tout au long de 2022. Mais moi je sais une chose, cette année, en 2023, c'est le temps du règne de Dieu. C'est le temps de ton règne. C'est le temps de ta domination. Alors jamais que tu puisses prier, jamais que tu puisses prendre la chose en main et tu dises que toi maintenant tu es soumis au nom de Jésus. Élève la voix avec moi. Élevons la voix ensemble. Et maintenant venons soumettre toutes choses. Oh, venons soumettre toutes choses au nom de Jésus. Toutes choses sont soumises dans le nom de Jésus. Les démons sont soumis dans le nom de Jésus. Le péché est soumis dans le nom de Jésus. La mort est soumise dans le nom de Jésus. Le désespoir est soumis dans le nom de Jésus. La crainte est soumise dans le nom de Jésus. La mort est soumise dans le nom de Jésus. Tout est soumis dans le nom de Jésus. Tout est soumis dans le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a plus aucune situation qui viendra régner sur moi. Je déclare qu'il n'y a plus aucune situation qui viendra régner sur moi. Longtemps j'ai été piétiné. On m'a piétiné. Mais maintenant c'est terminé. Maintenant je me lève. Maintenant je règne. Maintenant je domine. Maintenant je marche la tête haute. Alléluia. Non, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Plus jamais je ne serai dominé. Plus jamais je ne serai dominé par cette faiblesse. Plus jamais je ne serai dominé par ce péché-là. Plus jamais je ne serai dominé par cet homme-là. Tu étais devenu comme un esclave. Un esclave. L'esclave d'un homme. L'esclave d'une femme. L'esclave d'une situation. L'esclave d'une chose. Mais maintenant c'est terminé. Je déclare que c'est terminé. L'esclavage est fini. La domination des autres est terminée. Il est temps maintenant que je me lève, que je domine, que je règne, que j'avance. Alléluia. Plus jamais les ténèbres ne régneront en moi. Plus jamais le péché ne régnera sur moi. Plus jamais cette addiction ne régnera sur ma vie. La cigarette, c'est terminé. Rababa Sandele. Les drogues, c'est fini. C'est fini. Je disais, c'est terminé. Ma Rababa. Toute immoralité sexuelle, c'est terminé. Je disais, c'est terminé maintenant. C'est fini. Tu as longtemps régné. Maintenant, je viens t'enterrer. Ce soir, je viens enterrer mon addiction. Afin que Dieu règne dans ma vie. Afin que l'Éternel règne dans ma vie. Le péché, je disais, le péché doit être enterré. La publicité doit être enterrée. La fornication doit être enterrée. Au nom de Jésus.
Ce qui me tenait, les hommes de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, peu importe leur nom, peu importe ceux qui me visitaient la nuit, ils vont être enterrés au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Qui est cet homme, Seigneur? Je brise. Contre les autorités. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Contre les esprits méchants. Tu vas les citer ce soir. Tu vas les citer ce soir et tu vas les faire tomber. Je disais qu'ils vont tomber. Oh, je disais qu'ils vont tomber. Je disais qu'ils vont tomber. Ces autels qui ont été là pour te réclamer, pour réclamer ta vie, pour te maudire, à chaque fois pour que tu sois soumis, cela va tomber maintenant. Cela va tomber. J'aimerais que tu puisses te lever et taper des mains. Tu vas battre des mains maintenant. Tu vas battre des mains maintenant. Et tu vas dire que maintenant, les dominations sont tombées. Les autorités sont tombées. Les esprits méchants qui règnent dans les cieux vont tomber maintenant. Ils vont tomber maintenant. Toute forme de réclamation sur ta vie, cela va tomber. Cela va tomber au nom de Jésus. Oh, tous ceux qui ont parlé contre ta vie, toutes les paroles contre toi, cela tombe. Cela tombe. Tombe au nom de Jésus. Écrase-les. Je t'autorise à les écraser ce soir. Tu peux même les écraser avec tes pieds. Tu les écrases. 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 Comme la tête du serpent. Nous l'écrasons. Nous l'écrasons. Nous l'écrasons. Nous marchons sur les scorpions et les serpents. Plus jamais nous nous ferons tomber. Cette année, c'est l'année où tu ne tomberas plus. Ah, je parlais à quelqu'un. Cette année, c'est l'année où tu ne tomberas plus jamais dans ce même fossé, dans ce même piège. À chaque fois, tu es piégé. À chaque fois, tu tombes. À chaque fois, tu es esclave. À chaque fois, tu échoues. Mais cette année, c'est terminé. Parce que c'est l'année de ta domination. Je disais que c'est l'année de ta domination. C'est l'année de ton règne. C'est l'année de ton règne. Dans le nom de Jésus, tous ceux qui se levaient contre ma famille, les esprits méchants impurs qui se sont levés contre les miens, contre mon église, contre mes projets, contre ma destinée. Maintenant, je viens la renverser. Je viens les renverser. Je viens les renverser. Je viens les détruire. Je viens les écraser. Au nom de Jésus. Ah, y a-t-il une personne qui a une sainte colère ce soir qui peut dire j'en ai marre, c'en est assez, c'en est assez, cela doit s'arrêter, cette situation doit cesser maintenant. À chaque fois on te marche dessus, à chaque fois ces esprits sont en train de jouer avec toi, ils ne vont plus jouer avec toi. Oh, tape des mains encore plus fort, ils ne vont plus jouer avec toi, ils ne vont plus jouer avec toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la mort a joué. La mort avait prévu de te rencontrer en 2023, mais elle a joué, elle est en train de jouer maintenant. Le cancer se tient devant ta porte, mais tu es en train de parler au cancer. Tu lui dis, tu as échoué cette année, tu ne me rencontreras pas non plus. Toute maladie a essayé de te rencontrer cette année. Je ne sais pas quelle est la maladie dans ta famille. Je ne sais pas quelles sont les maladies héréditaires dans ta famille. Mais elles ne vont pas te rencontrer. Elles ne vont pas te rencontrer, je disais. Elles ne vont pas te rencontrer. Elles ne vont pas te rencontrer. Elles vont sauter, mais elles ne te rencontreront pas. Elles vont sauter, mais elles ne te rencontreront pas. Cite le nom de ta maladie. Cite le nom de la maladie de ta famille. La maladie de ta mère. La maladie de ton père. La maladie de je ne sais qui. De tes ascendants. La maladie de tes grands-parents. Et dis-lui, attention, cette année, tu n'as pas intérêt. Tu n'as pas intérêt. Tu n'as pas intérêt. Tu vas menacer la maladie, tu vas menacer les vents contraires. Menace-les, menace-les maintenant. Plus jamais, ils ne vont pas rentrer dans ta maison, ni sur toi, ni sur tes enfants, ni sur qui que ce soit.
parce que c'est le règne de Dieu. Alléluia. Qui menace mes sœurs, qui menace mes frères, au nom puissant de Jésus. Je menace toutes choses, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Nous confessons Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Jésus. Tu as la victoire. Tu as vaincu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier dans ce sens. Ce soir, il y a une parole qui est pour toi. Mais ne passe pas à côté de cette parole. J'aimerais que tu puisses demander une sensibilité particulière ce soir. Parce que ce soir, c'est ton soir. Tu n'es pas venu en vain, ce lieu. Vous n'êtes pas connecté en vain. Ce soir, Dieu a prévu une parole pour quelqu'un. Mais j'aimerais pas que tu passes à côté. J'aimerais pas que tu sois distrait. Mais demande une sensibilité particulière. Que l'Esprit de Dieu te parle. Qu'il te communique une pensée à l'oreille, dans ta pensée, dans ton esprit. Élève la voix et demande. Demande au Saint-Esprit de te parler. Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Ce soir, je suis venu pour toi. Parle-moi ce soir. Parle à ma famille. Parle à ma femme. Parle même à mon enfant. Mais parle-nous. Parle-nous ce soir. Oh, rends-moi sensible. Oh, rends-moi sensible à ton esprit. Je ne veux pas passer à côté. C'est le premier jour de MJP. Je ne veux pas passer à côté. Parce que je sais que dès le premier jour, tu fais de grandes choses. Je ne suis pas spectateur dans ce lieu. Dès le premier jour, tu fais de grandes choses. Dès le premier jour, tu touches. Dès le premier jour, tu guéris. Dès le premier jour, tu délivres. Dès le premier jour, tu viens secourir la veuve. Dès le premier jour, tu viens secourir l'orphelin. Dès le premier jour, tu agis. Dès le premier jour. Parle à une personne, Seigneur. Tu n'attendras pas le dernier jour, mais dès le premier jour, tu vas te manifester. Bien-aimé, ne lâche pas le morceau. J'aimerais dire à une personne, ne lâche pas le morceau. C'est ce soir que Dieu a prévu de toucher quelqu'un. C'est ce soir que Dieu a prévu de guérir quelqu'un. Tu es peut-être venu porter la prière pour ta mère, pour ton père, pour ton frère, pour ta sœur. Alors dis-toi que c'est ce soir que Dieu va faire quelque chose. Viens nous remplir de toi. Viens nous contrôler ce soir, Seigneur mon Dieu. Fais comme tu l'as prévu ce soir. Fais comme tu as prévu de faire ce soir. Agis comme tu as prévu d'agir. Touche comme tu as prévu de toucher. Oh, je ne sais pas comment cela va se passer, mais j'ai confiance à ton esprit. J'ai confiance à l'esprit de Dieu. J'ai confiance à ton esprit, Seigneur, ce soir, afin que tu puisses toucher. Fais-le ce soir, Seigneur. J'ai confiance à ton esprit ce soir, afin que tu puisses toucher. Le paralytique peut marcher, l'aveugle peut voir, le sourd peut entendre, la stérile peut donner des enfants. Une semence ce soir peut être donnée. Je disais qu'une semence ce soir peut être donnée, même là où tu es à la maison, une semence peut t'atteindre. Alléluia. Palabashé Delebo Sanda. Bien-aimé, j'aimerais que tu... Il nous reste une minute. Si tu peux prier en langue. L'atmosphère en ce lieu est en train de changer. Si tu peux prier en langue, alors qu'il nous reste une minute, que l'atmosphère en ce lieu change. Que les anges descendent et montent. Que la gloire de Dieu se manifeste en ce lieu. Que la présence de Dieu. Tu peux prier en langue pendant une minute. Je disais la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu en ce lieu. La gloire de Dieu en ce lieu. La gloire de Dieu en ce lieu. La gloire de Dieu dans nos maisons. La gloire de Dieu, ma rababa.
le règne de Dieu, la domination, la puissance, la gloire, toutes ces choses sont là ce soir. Merci. Que cela nous visite. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Nous sentons déjà ta présence ce soir. Nous sentons déjà ta présence ce soir. Nous sentons déjà ta présence ce soir. Tu es fidèle, tu es fidèle. Je disais que tu es fidèle. Il est fidèle à son rendez-vous. Le rendez-vous qu'il t'a donné ce soir, il sera là. Lui, il est là. Lui, il est là. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux même pousser des cris de joie? Oh, fais mieux que ça. Pousse des cris de joie. Il est là. Il est là. Il est là. Et il agit au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer les seigneurs? Est-ce que quelqu'un veut pousser les cris de joie? Ces cris qui va faire en sorte que l'atmosphère de 2023 change. Est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie? Alléluia, nous bénissons les seigneurs. Nous bénissons les seigneurs. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le... Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie?
chantons. Viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose. Alors que nous chantons. Commencez à proclamer et commencez à évoquer la présence de Dieu, les dieux qui se manifestent en dehors de son peuple. Si nous voulons dominer, si nous voulons régner, si nous voulons coordonner les choses, il faut que Dieu soit élevé dans nos vies. Il faut que Dieu prenne place. Il faut que Dieu prenne contrôle. Commence à élever le nom du Seigneur. Élève-toi. Oh, oh. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi au milieu de nous. Lorsque ton peuple te loue, tu t'élèves pour agréer. Lorsque son peuple les loue, il s'élève pour agréer, pour recevoir. Alléluia. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois. Dieu très saint, tout puissant, oui, viens. Quelqu'un l'invoque, quelqu'un l'accueille en ce lieu. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Dieu est un Dieu puissant, il règne
descend ces lieux avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Chantons ensemble. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne. Descend ces lieux. Descend ces lieux. Sagesse, amour. Sagesse. Est-ce que tu peux proclamer avec foi? Car Dieu est un Dieu puissant. Oh, descend ces lieux avec sagesse. Proclame-le jusqu'à ce que son règne descende. Car Dieu, hey yes, est un Dieu. Oh yes, descend ce lieu avec.
que tu peux chanter avec nous. Car Dieu, car Dieu, alléluia. Et sans ce lieu, sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il est descend ce lieu. Sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu. Aucun autre nom que toi, Jésus. Oh, aucun autre nom que toi, Jésus. Jésus. Oh, dans ma vie, je chanterai. Jésus. Oh, Jésus. Oh, cette année, je chanterai. Jésus. Alléluia. Jésus. Oh, aucun autre nom que toi, Seigneur. Jésus. Yeah. Jésus. Oh, dans ma vie, je chanterai. Tu fais des miracles,
lumière dans tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais le chemin, opère le miracle. Tu tiens, allez, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Le nom de Jésus, au-dessus de tout le nom, roi de roi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Ok, et la bosse. Chantons le nom de Jésus. Nom de Jésus. Plus que tous les noms. Plus que tous les noms. Alpha Omega. Alpha Omega. Aucun nom n'est comme aucun les tiens. Aucun nom n'est comme les tiens. Chantons le nom de Jésus. Nom de Jésus. Au-dessus de tout le nom. Au-dessus de tout nom. Roi de roi. Roi des rois. Aucun nom n'est comme les tiens. Aucun nom n'est comme les tiens. Chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Au-dessus de tout le nom. Au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Yes. Roi de roi. Aucun nom n'est comme les siens. Chante avec nous. Le nom de Jésus. Au-dessus de tout le nom. Alpha Omega. Encore une fois. Chantons le nom de Jésus. Yes. Roi de rois. Aucun autre nom est comme les siens. Oh, le nom de Jésus. Tu es son rival. Tu es sans égal. Yes, come on, come on. Yes. Est-ce qu'on peut le faire? À toi soit le règne. À toi. À toi soit la gloire. Come on. Ton nom surpasse tout autre nom. Come on. Commence à les déclarer. À toi soit la gloire, à toi soit le règne. Come on, come on. À toi soit, Kedabos. Ton nom surpasse tout autre nom. Yes.
Tu es son rival. Come on, come on, come on. Tu es. Yes. Alléluia. Come on. Oh, à toi soit la gloire. À toi soit le règne. Ton nom surpasse tout autre nom. Sur toi, c'est toi qui domineras sur ces choses, tout ce qui est en train de faire la loi sur ta vie, c'est toi qui domineras sur ces choses. Est-ce que tu peux commencer à parler? L'iso qui est à la rose. Avec Dieu, nous ferons des exploits.
Avec Dieu, nous allons dominer. Avec Dieu, nous allons avancer. Avec Dieu, nous allons régner. Est-ce que quelqu'un veut monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que l'atmosphère peut changer? Les consacrés à la mort. Seigneur, donne-lui sa place par tes acclamations. Donne-lui sa place par tes acclamations. Donne-lui sa place par tes cris de joie. Oui, donne-lui ta place. Donne-lui sa place par ta célébration. Donne-lui sa place par ta glorification. Ah, donne-lui sa place par ses ovations. Donne-lui sa place. Il le mérite. Il en est digne. Oui, il en est digne, il les mérite, il les réclame, il les revendique.
Tu le mérites. Tu en es digne. Tu le revendiques parce que c'est toi qui es Dieu. Reçois notre reconnaissance et merci pour ta fidélité. Nous venons ce soir te confier tous ces mois mis à part afin de chercher ta face dans le jeûne et dans la prière. Nous voulons que Seigneur, ta puissance soit révélée et que ton nom soit davantage glorifié. Merci de disposer nos cœurs à recevoir ta pensée. Merci de disposer nos cœurs à saisir ta pensée. Ainsi révolutionne notre vie, bouscule notre compréhension des choses. Secoue-nous. Fais-nous sortir de notre zone de confort. Car l'heure est arrivée où les dominations, les autorités, les principautés reconnaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu, bienvenue dans notre réunion de ce soir. Que Dieu vous bénisse, nous reprenons nos places. Merci d'être là et nous saluons tous les amis qui sont connectés ce soir de partout dans le monde dans ce programme MJP, notre moment de jeûne et prière. Vous savez que nous sommes là aujourd'hui tous les jours jusqu'au 29 janvier. Nous nous retrouverons aussi où nous allons le dimanche, nous allons clôturer notre programme. Mais nous sommes là tous les jours. Tous les jours vous êtes connectés et nous commençons déjà à partir de 5 heures dans notre dévotion matinale. De midi à 18 heures, nous sommes en ligne dans notre chaîne de prière. Et le soir, comme maintenant, nous nous retrouvons en présentiel. Pour ceux qui peuvent, et pour ceux qui peuvent aussi se faire violence, vous savez, parce que des fois, les gens peuvent, mais simplement, ils ne veulent pas faire violence. Mais tu peux. Tu peux dominer la fatigue. Ah, tu peux dominer la fatigue. Tu peux même dominer la distance. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans notre année de domination. Rappelle un peu cela à ton voisin. Est-ce que tu sais que c'est l'année de domination? Ah bon? J'entends quelqu'un dire, ah bon? Rappelle-lui encore, c'est l'année de domination là. 2023, c'est l'année des dominations. Alors, encourage-le, dis-lui, domine. Hein, les tape un peu à l'épaule, dis-lui, domine, domine, domine. C'est ton temps de dominer. C'est ton temps de dominer. Domine. Amen. Oui, 2023, c'est l'année des dominations. Et nous bénissons Dieu pour cette merveilleuse année qu'il nous a donnée. Afin véritablement de dominer. Dieu ne nous attend pas ailleurs. Il nous attend dans la domination. Amen. Vous savez, Dieu l'a déjà dit et il nous observe. Exerce ta domination. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, exerce ta domination. Donc, dis-le bien, exerce ta domination. Tu es en ligne, tu écris, tu dis, exerce ta domination. Encourage quelqu'un à exercer sa domination. Amen. Nous prenons nos Bibles et nous allons faire la lecture sur deux passages. Nous allons lire dans Psaume 110, verset 2, et puis nous lirons le livre du commencement, Genèse, chapitre 1, verset 28, verset 26 à 28. Si cela ne vous dérange pas, s'il vous plaît, tenons-nous debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Deux passages, nous lisons le Psaume 110, juste le verset 2e. Et puis nous lirons Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 28. Lisons la parole de Dieu à haute voix tous ensemble. Allons-y. L'Éternel étendra des sillons les sceptres de la puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Lisons Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Allons-y tous ensemble. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout il qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, nous reprenons nos places. Cette année, Dieu nous appelle à marcher dans la domination, à exercer notre domination. Comme nous l'avons dit la nuit du 31 au 1er, Dieu nous invite et nous appelle à dominer. Il ne s'agit pas d'une promesse que Dieu nous fait de dire qu'il va éliminer nos ennemis, mais d'une invitation à régner, à dominer au milieu de nos ennemis. Nous sommes dans une époque où les choses vont de mal en pire. Nous sommes dans une époque où les choses vont aller encore de mal en pire. Mais quoi faire? Quoi faire dans cette époque? Faut-il récapituler? Faut-il reculer? Je voulais dire, faut-il abandonner? Faut-il capituler, se résigner en soi-même? Non. Nous sommes exhortés, frères et sœurs, à dominer. Nous sommes exhortés à dominer, à régner au milieu de toutes les adversités, au milieu de toute forme d'hostilité qui peut se présenter tout au long de cette année. Il est ici question de prendre notre responsabilité en main. Amen. De prendre notre responsabilité en main. Et de ne pas nous laisser faire par les circonstances de la vie, par les événements de la vie. Et de ne pas nous laisser faire par les diables et ses acolytes. De ne pas nous laisser faire par la puissance du péché. Il est ici question de prendre notre responsabilité. Aide-moi à dire à ton voisin, prends tes responsabilités en main. Prends tes responsabilités pour ne plus te laisser faire par ces sentiments, ces émotions négatives qui t'emportent, qui te mettent dans tous les états possibles. Cette année, prends tes responsabilités en main. Prends tes responsabilités en main. Le problème ici, ce n'est pas l'attaque de l'ennemi, mais ta réaction. Le problème ici, ce n'est pas les tentations, mais ta réaction. Le problème ici, ce n'est pas les complots de l'ennemi, parce que tu ne pourras pas empêcher les diables à faire des complots contre toi. Mais c'est toi qui dois savoir comment dominer sur ces complots. Le problème ici, ce n'est pas la guerre ou pas la guerre. Non, la Bible dit, ils vous feront la guerre. Mais toi, domine. Domine. Prends tes responsabilités en main. En d'autres termes, Dieu veut nous dire, ne te laisse pas écraser. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas bousculer. Ne te laisse pas secouer. Domine. Non, ne te laisse pas bousculer par l'ennemi, mais toi domine. Ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit, domine. Ne te laisse pas paralyser par quoi que ce soit, domine.
Bien-aimés, nous n'avons cette année aucune raison valable face à l'ennemi. Nous n'avons pas de raison valable face à l'ennemi d'abandonner. Nous n'avons pas de raison valable face à l'ennemi ou à l'adversité d'abandonner nos rêves, d'abandonner nos projets. Nous n'avons pas de raison de nous détourner de nos buts et de nos objectifs. Nous n'avons pas raison. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qu'aucune difficulté, que même pas l'adversité, ne te fasse craquer. Cette année, ce n'est pas à toi de craquer. C'est au diable de craquer. Qu'il craque, il dit, ah non, si c'est comme ça, c'est bon quoi, c'est bon. La Bible dit, il a tenté Jésus, il a essayé, au point qu'il a craqué. La Bible dit, il se retira. J'ai pris que cette année, les sorciers qui menacent ta vie puissent craquer. J'ai pris que cette année, tous ceux qui complotent contre ta vie puissent craquer. Qu'ils craquent. Parce que tu vas tellement les menacer, ils vont craquer. Ce n'est pas à toi de craquer cette année. Qu'importe la pression, domine sur la pression de la vie. Domine sur les soucis de la vie. Domine sur la dépression. Oh non, c'est trop, c'est trop. Non, je ne veux pas entendre. Oh non, je suis tombé en dépression. Non! Que les diables et ces démons tombent en dépression. Toi, domine. Domine de manière que tu fais tomber les diables et ces démons en dépression. Tu domines de telle manière que tes ennemis sont en dépression, fatigués. Ce n'est pas à toi de tomber en dépression. Alors ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas intimider. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cède pas à l'intimidation. Domine. 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 Comme nous l'avons dit, ce mot dominer, c'est un mot hébreu. En hébreu, ça vient du mot rada, qui signifie dominer, traiter, régner en souverain, impacter, influencer, triompher, donner la victoire, commander, contrôler, surveiller. Même fouler aux pieds, subjuguer, assujettir, dévorer, tous ces mots-là, prenez-le cette année et appliquez-le. Prenez et appliquez-le. C'est ça la domination. C'est pourquoi pour bien comprendre les choses, pour comprendre les concepts de la domination, nous devons comprendre deux choses. Pour saisir, maîtriser ces concepts de domination, il y a deux choses que nous devons arriver à comprendre. La suprématie de Dieu et la création de l'homme. Ces deux choses sont très importantes que nous devons comprendre. Suprématie de Dieu et la création. Alors nous devons, pour comprendre, premièrement, suprématie de Dieu, je veux nous ramener à nouveau. Nous devons commencer par le commencement. Et que nous dit la Bible au sujet, que nous dit la Bible
dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit simplement, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Moïse, qui est l'auteur, à qui Dieu a révélé ces choses, à qui Dieu a communiqué ces choses avec tellement de détails. Moïse, dans Genèse, avant de nous parler, remarquer des œuvres de Dieu, il nous parle d'abord de Dieu. Avant de nous parler de tout ce que Dieu a fait, de comment Dieu l'a créé, il commence d'abord par nous présenter le Créateur. Il dit au commencement, Dieu. Il nous parle d'abord de Dieu lui-même. Au commencement, Dieu. Avant de voir, avant d'admirer les œuvres de Dieu ou les œuvres de ses mains, regardons-lui d'abord. Concentrons-nous d'abord sur le Créateur. D'abord, plus que sur la création, mais sur le Créateur. Parce qu'on ne peut pas comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, la création en dehors de son Créateur. On ne peut pas. Alors, dans ce concept de domination, il est important pour nous de comprendre. Et le mot Dieu qui est là, c'est Elohim, qui veut simplement dire un être suprême. Un Dieu suprême, tout puissant. C'est comme ça que on nous présente Dieu. On ne présente pas d'abord sa création. On ne nous parle pas d'abord le ciel. Au commencement était le ciel. Non, au commencement Dieu, l'être suprême, le tout puissant. Comme pour nous dire, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est le résultat de qui il est. C'est le résultat de qui il est. S'il n'était pas ce qu'il est, il n'y aurait pas ce qu'il y a. Mais parce qu'il est Dieu, le Dieu suprême, Elohim, tu peux voir ce que tu vois. Je prie que cette année, parce que Dieu est Dieu, que tu vois les choses que l'œil n'a pas encore vues, que tu entendes les choses que l'oreille n'a pas encore entendues. Quand tu regardes la beauté de la création, tu dis c'est parce qu'il est Dieu. C'est lui, Elohim, Dieu suprême. Dieu suprême. La suprématie de Dieu est très importante dans le contexte de la domination. Dieu veut que, en regardant ses œuvres, que nous voyons sa suprématie, sa grandeur, et que nous comprenons que c'est lui, ce n'est pas nous, c'est lui. Ce n'est pas une histoire de bing-bang, non, c'est lui. Écoutez encore, Exode chapitre 20. Nous savons tous que les livres d'Exode, c'est les 10 commandements. Ne faites pas. Ne faites pas, c'est les 10 commandements. Mais remarquez dans le verset 2, comment ça commence. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Avant de leur dire ce qu'ils doivent faire, Dieu leur dit d'abord ce qu'il est. Avant de commencer à leur dire, ne faites pas, ne faites pas. Non, il dit, je suis l'Éternel. Votre Dieu. Et puis il leur dit ce qu'il a fait. Parce que je suis Dieu, je vous ai fait sortir de l'Égypte. Ce n'est pas une histoire de Moïse, c'est une histoire de Dieu. C'est pourquoi je dis cette histoire de domination-là, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas ton histoire, c'est l'histoire de Dieu.
Il dit, je suis l'Éternel. C'est moi qui vous ai fait sortir de l'Égypte. Ah, si vous avez vu Pharaon incliner, s'incliner, vous lâcher, c'est parce que je suis l'Éternel Dieu. Si vous avez vu la mer s'ouvrir, c'est parce que je suis l'Éternel votre Dieu. Ah, cette histoire de domination, c'est l'histoire de Dieu. C'est pourquoi je dis, le diable aura chaud. Les sorciers auront chaud. La maladie aura chaud. L'infirmité aura chaud. La stérilité aura chaud. Le chômage aura chaud. J'ai dit cette histoire ici. Il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison, de la servitude ou de l'esclavage. Tu étais assujetti, tu étais dominé, tu étais écrasé. Mais quand moi, l'Éternel Dieu, je me suis levé, je t'ai fait sortir de cette domination. Cette année, tu sortiras de cette domination. J'ai dit, tu sortiras de cette domination. La domination des envoûtements, tu sortiras. De la domination de l'esclavagisme, tu sortiras. La domination du péché dans ta vie, tu sortiras. La domination de la maladie, tu sortiras. Il dit, je suis l'Éternel et je fais ces choses. Alléluia. Remarquez, Dieu se voit lui-même comme suprême. La suprématie de Dieu est un attribut dont nous ne parlons pas souvent. Mais il est étroitement lié à la souveraineté de Dieu. En effet, frères et sœurs, on pourrait dire que Dieu est souverain parce qu'il est suprême. Dieu étant le créateur et le maître suprême de toutes choses, et donc souverain sur elles. Alors la suprématie signifie le plus haut, le chef, le suprême. La suprématie de Dieu signifie qu'il est le souverain absolu et unique qui est indépendant de toute autre règle. Il n'y a pas de règle à établir pour lui, mais lui, il établit des règles. Alors, frères et sœurs, quand nous disons que Dieu est suprême, nous disons qu'il est le chef numéro un dans l'univers avec autorité et pouvoir sur tout. Sur tout. La suprématie parle d'abord des positions. Dieu est l'être principal dans l'univers. Ça parle d'abord des positions. C'est pourquoi quand nous commençons, on nous dit Dieu, au commencement, Dieu. C'est l'être suprême de toute la création, de l'univers. Puis, ça parle de pouvoir. Dieu est suprême en pouvoir dans l'univers. Il n'y a pas d'égal. Amen. Et quand nous parlons de la suprématie de Dieu, enfin, nous disons que Dieu est en contrôle total de toutes choses. Il contrôle tout. Il maîtrise tout. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le psaume 103, verset 19, l'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Amen. Son règne domine tout l'univers. Tu domineras cette année parce que tu as un Dieu qui domine. Amen. C'est pourquoi il est important de comprendre la suprématie de Dieu. Parce que tu as un Dieu qui domine, alors tu domineras.
Dieu domine sur tout l'univers. Dieu exerce une parfaite domination sur tout ce que nous vivons. Même les circonstances pénibles qui nous semblent dépourvues de sens, Dieu exerce une parfaite domination. C'est pourquoi il a appelé l'homme qu'il a créé de faire de même que lui, d'exercer sa domination. Amen. Lisons la Bible, frères et sœurs. 1 Chronique, chapitre 29, versets 11 à 12. La Bible dit, 1 Chronique 29, versets 11 à 12, la Bible dit, « À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont les règnes et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. Mets tout ce que tu veux danser, le tout là. Mets ce que tu veux. C'est toi qui domines sur tout. Tu mets les mots que tu veux là. C'est toi qui domines sur... Tu mets ce que tu veux. Mais tu as un Dieu suprême qui domine sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Mon Dieu, quel Dieu! Quel Dieu! Quel Dieu! Dieu domine sur tout. D'autres précisions que la Bible nous donne. Nous parlons de la supériorité, la suprématie de Dieu. Dieu domine aussi sur le gouvernement et les nations. Psaume 22, verset 29. Car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Il domine sur le gouvernement de la terre. Que ce soit une monarchie, il domine. Une démocratie, il domine. Que ce soit même une dictature, il fait quoi? Tous les pays, que ça commence de l'Inde, de l'Europe, de l'Afrique, tous les continents, toutes les nations, il domine. Tous les dirigeants du monde, Biden jusqu'à Poutine, en passant par celui du Corée du Nord ou de Chine, il fait quoi? Il domine. Vous savez, frère, tous ces présidents peuvent parler de menaces nucléaires comme ils veulent. Ils ne dominent pas. Ah, il faut que Dieu dise, ça y est, ça s'efface. Même s'il les prépare déjà à votre direction, notre Dieu domine. Il domine sur toutes ces menaces nucléaires. Il domine sur tout ce qui se projette dans le monde des ténèbres. Il domine sur leurs plans, sur leurs projets. Il domine sur les dictateurs. Il domine sur tout. Il domine sur tout. Il domine. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il domine sur le gouvernement. C'est pourquoi aucune décision gouvernementale ne doit vous faire paniquer. Toutes les annonces gouvernementales là, ne vont pas vous bousculer. Cette année, j'ai un Dieu suprême qui domine sur les décisions des parlementaires, qui domine sur les décisions des présidents, qui domine sur les décisions des politiques, des économiques. Notre Dieu domine.
C'est important. Comprenez la suprématie de Dieu. C'est très important. Dieu domine. Qu'importe leur pouvoir, mais notre Dieu domine. Parce que tous ces présidents, toutes ces nations sont sous le pouvoir souverain et l'autorité de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous allumez votre télévision et que vous voyez des choses qui se passent dans le monde entier et qui vous bousculent, la Bible nous dit que Dieu est aux commandes. Dieu est souverain sur tout et sur tout ce qui se passe. J'aime ce qu'Ésaïe 52 dit, dans le verset 3, je pense. On dit qu'il est beau les pieds de ce, verset 7, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et quand tu lis, quelle est cette bonne nouvelle? Qu'ils viennent annoncer aux captifs de Babylone, de Sion, et aux captifs qui sont à Babylone. Il dit qu'il est beau leurs pieds, qu'il y a des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle est simple, Dieu règne. La Bible dit, ils disent, Dieu règne. Que ça s'écroule à gauche ou à droite, je proclame des Dieu règne. Qu'il frappe à gauche ou à droite, il y a une seule chose que je veux savoir, Dieu règne. Dieu règne. Amen. Dieu règne. Comprenez la suprématie de Dieu. C'est très important. Lisons encore la parole de Dieu. Wow. Daniel chapitre 4, verset 22. La Bible dit, Daniel 4, 22, on te chassera, ça, et c'est Daniel qui interprète le songe qu'a eu Nebuchadnezzar et cet arbre qu'il a vu, qui lui représentait lui-même. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme... on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il a donné à qui et qu'il la donne à qui il le désire. Amen. C'est Dieu. Il règne, il domine sur toute royauté humaine. Je le redis encore, aucune décision humaine ne peut nous faire peur. Parce que celui qui domine sur la royauté humaine, c'est Dieu. Dieu ne domine pas seulement sur les nations, sur les gouvernements, et sur les diables et tous ces démons. Mais la Bible nous montre aussi encore la suprématie de Dieu sur sa création. Dieu domine sur sa création. C'est pourquoi par sa volonté, quand il s'élève, même la mer ne peut pas lui résister. La mer s'est ouverte. C'est sa création. La Bible dit, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient précédés par la colonne de nuée ou de feu qui était devant eux, qui symbolisait la présence de Dieu. Ce n'est pas une histoire de bâton de Moïse qui a fait l'affaire. C'est la présence suprême de Dieu. Quand la mer a vu son maître, il dit, je fraye le chemin. Le maître doit passer. Je dois le respecter, je ne peux pas. Il est le maître. Il domine. Il pouvait, pour parler de Jésus, donner l'ordre à la tempête de se calmer. Il parle à sa créature. Il dit, tais-toi, calme-toi. Il domine sur toutes ces choses. La terre s'est ouverte. Quand, à un moment, Dieu va même ordonner à un corbeau, c'est sa créature. Il dit, va chercher le pain et la viande.
carnivore qu'il est, la viande dans la bouche, mais il sait que même si j'ai faim, ça ne m'a pas. J'ai reçu, ce n'est pas de manger, mais d'aller donner. Amen. Je vais dire à quelqu'un, cette année, si Dieu met la viande et le pain dans ta bouche, ce n'est pas pour manger, c'est pour aller. J'ai dit, si Dieu met la viande et le pain dans ta bouche, même si tu as faim, l'ordre est de. Élie, au torrent, il ne sait pas ça viendra d'où. Mais le maître suprême a dit, corbeau, Dieu est compliqué. Un animal impur. Deux, un carnivore, il mange la viande. Mais il les donne, il dit, prends, va donner. Et il obéit. Il obéit et il donne. Dieu domine sur tout. Il domine. C'est Dieu-là, il est merveilleux. C'est Dieu qui domine sur tout. On prend Daniel, l'erreur de nos ennemis. C'est de nous. Il prend Daniel, il dit c'est fini. Il les jette au fosse au lion. Après l'avoir, les avoir gardés plusieurs jours, affamés, il les jette au fosse au lion. Mais le Créateur, le Maître, ils ont reçu l'instruction de ne pas toucher Daniel. Les lions affamés. Il regarde, mais il dit, le maître a dit, ne touchez pas à mes oins. Ah, je dis, ils ne te toucheront pas. Cette année, ils ne te toucheront pas. Daniel est là, il regarde. Les lions les regardent. Rien. Le roi a déjà pensé. Le roi a déjà commencé à faire le deuil. Il dit, c'est fini, Daniel est parti. Ah, Daniel, j'ai perdu Daniel. Avec les lions, ça ne joue pas. Mais Dieu, le maître suprême, il a ordonné. Je prie que cette année, que l'ordre divin soit libéré en ta faveur. Afin que les lions qui rôdent autour de toi, qu'ils rôdent mais qu'ils ne te touchent pas. Qu'ils rugissent mais qu'ils ne te touchent pas. Qu'ils te menacent mais qu'ils ne te touchent pas. Car l'ordre suprême est de rugir, tourne autour mais ne les touche pas. Parce que Dieu, c'est un Dieu suprême. Sa nature lui obéit. Dieu domine. Le roi vient, il rentre, il l'appelle. Daniel répondit, Daniel, serviteur de Dieu. Alléluia. L'erreur de tes ennemis cette année, c'est de te jeter au milieu des lions. Or, la Bible dit domine. Au milieu des lions. Domine. Si c'est les lions, domine. Et tu vas dominer cette année parce que tu as un Dieu suprême. Parce que tu as un Dieu qui domine, tu domineras. Il domine sur toutes choses. Surtout, il a calmé la tempête. C'est pourquoi le psalmiste David, dans le psaume 135, verset 6, il dit ceci. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre. Dans le mer et dans tous les abîmes. Tout ce qu'il veut, il le fait. Le psaume 115:3 dit encore mieux. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu étant créateur et le maître suprême de toutes choses, il domine sur tout. Et ce qui est merveilleux, c'est que la domination de Dieu n'est pas pour un temps. La domination de Dieu n'est pas pour une génération.
Non, la domination de Dieu n'est pas pour quelques jours, quelques heures. J'aime ce que la Bible dit dans Daniel 4, 31. La Bible dit, au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux. Ça, c'est Nebuchadnezzar qui dit, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni les Très-Hauts. J'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle. Et dont la royauté subsiste de génération en génération. Ça, c'est un roi païen qui reconnaît. Il dit la domination de Dieu est éternelle. Si la domination de Dieu est éternelle, la domination des hommes n'est pas éternelle. C'est pourquoi rien ne peut rester éternellement en train d'être dominé. Parce que la domination, seule la domination de Dieu est éternelle. Toute autre domination n'est pas éternelle. La domination qui vient de Dieu, c'est la domination éternelle. Celle qui vient des hommes est pour un temps. C'est pourquoi j'aime ce que la Bible dit. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce qu'elles ne sont pas éternelles. Je dis à quelqu'un, cette maladie n'est pas éternelle. Ne te dominera pas éternellement. Non, le péché ne te dominera pas éternellement. Non, cette stérilité ne dominera pas éternellement. Nous parlons d'un Dieu qui domine éternellement. Et de génération en génération, Dieu domine. Notre Dieu domine. Alors, je vais terminer en donnant trois vérités sur la suprématie de Dieu. Trois vérités. À la lumière de tout ce que nous avons entendu, qu'est-ce que nous pouvons comprendre parlant? Premièrement, ce que nous devons comprendre à tout cela, c'est que Dieu a le contrôle de nos circonstances. Puisque Dieu est le Dieu qui domine, donc il a le contrôle de nos circonstances. Primordial, je dirais, de Dieu sera toujours bon. C'est là où la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que Dieu est capable de changer le mal en bien. Il a le contrôle. Il est le Dieu suprême. Il a le contrôle. Puisqu'il domine sur tout, alors il a le contrôle de toutes choses. Ne vous laissez pas et ne soyez pas effrayés. Dieu a le contrôle. Il maîtrise toutes choses. Deuxièmement, comprendre la suprématie de Dieu nous motive à la prière. Comprendre que Dieu domine sur tout, que c'est l'être suprême qui domine sur toute chose, c'est une véritable motivation à la prière. Ça nous motive à la prière. Si Dieu est aux commandes de toutes choses, alors il est logique de prier. C'est logique de prier. Car nous parlons à celui qui a le pouvoir d'échanger les choses. Parce que lorsque nous prions, frères et sœurs, nous ne nous adressons pas à celui qui a plus de pouvoir. Nous ne nous adressons pas à celui, à n'importe qui, mais nous nous adressons à celui qui a plus le pouvoir. Dieu domine. Ça doit nous motiver véritablement dans la prière. Parce que nous savons que lui peut changer les choses. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, il dit, lorsque vous priez, dites, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus comprenant la domination suprême de Dieu sur toute chose, au ciel, il dit, réclamez cela aussi sur la terre. Que cette domination suprême de Dieu se manifeste aussi sur la terre. Ça nous motive dans la prière. Parce que notre Dieu est au-dessus de tout. Bien-aimés, troisièmement, la connaissance de la suprématie de Dieu nous donne sécurité et confiance. Sachant que personne ne peut nous faire quoi que ce soit sans la permission de Maître suprême. Ça doit nous rassurer. Cette année, soyez en sécurité.
C'est pourquoi je l'ai traité. J'ai dit, assieds-toi. Sois en sécurité, sois serein. Parce que le Maître suprême, avant de te demander à te dominer, lui, il a déjà dominé. Donc, il t'envoie sur un terrain que lui, il a déjà dominé. Il t'envoie affronter celui que lui, il a déjà dominé. Il t'envoie vers la maladie que lui, il a déjà dominée. Quand il regarde, il dit, j'ai déjà tout dominé. Alors, toi, fais quoi? Domine. Dieu ne te demande pas ce que lui... Non, lui, il domine, c'est pourquoi il t'appelle aussi à dominer. Il a déjà dominé le diable et ses démons. Alors, il te dit, domine. Quelle sécurité! La seule chose qu'il nous faut faire et comprendre par rapport à ce Dieu, dans ce concept de domination, c'est la suprématie de Dieu. Et quand nous comprenons cela, la seule chose que Dieu attend de nous, c'est de lui faire confiance. Ce qui reste, c'est seulement lui faire confiance. Ce n'est pas de paniquer, seulement c'est de lui faire confiance. Ce n'est pas de poser des questions à Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Non, fais seulement confiance. Je ne comprends pas, mais je lui fais confiance. Cette année, je vais faire quoi? Dominer. Simplement lui faire confiance. La compréhension de ces vérités, bien-aimés, nous incite, nous amène, nous pousse simplement à lui faire confiance. Parce qu'il est le Dieu suprême. Il est le Dieu suprême. Nous ne pouvons pas dominer véritablement cette année si nous ne comprenons pas la suprématie de Dieu. Dieu est un Dieu suprême qui domine sur tout. Amen. Amen. Lèvons-nous pendant un moment. Alléluia. Nous allons faire deux choses ce soir. La première des choses que j'aimerais que nous puissions faire, c'est que tu élèves ta main, tu élèves ta voix pour bénir le Dieu suprême. En reconnaissant la suprématie de Dieu, tu commences à le bénir, à lui dire, tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu es le Dieu qui surpasse tout. Tu es le Dieu qui domine sur tout. C'est la première des choses que tu dois faire. Ce soir, c'est la première chose que tu dois faire ce soir. C'est vraiment de lui exprimer ta reconnaissance en bénissant son nom. Ah, cette année, qu'importe ce qu'elle sera, mais je sais une chose, j'ai un Dieu suprême. Le Dieu qui m'appelle à la domination, il a déjà dominé sur toute chose. Le Dieu qui m'appelle à dominer, il a déjà dominé sur toute chose. Le Dieu qui m'appelle à dominer, il est un Dieu suprême. Il domine sur le gouvernement. Il domine sur les nations. Il domine sur les diables. Il domine sur la nature. Il domine sur toute chose. Il domine sur les temps et sur les circonstances. Oui, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il est le Dieu suprême. Le Dieu très haut. Le Dieu souverain. Le Dieu élevé. Le Dieu grand. Le Dieu redoutable. La Bible dit, rien n'est trop difficile pour lui. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Élève-le au-dessus de ta maladie. Élève-le au-dessus de ta situation. Élève-le au-dessus de tes circonstances. Élève-le au-dessus de tes émotions. Élève-le au-dessus de tes combats. Élève-le au-dessus de toutes choses. Commence à l'élever au-dessus de tout parce qu'il est suprême. Il doit occuper une position de supériorité. Il surpasse les démons. Il surpasse les diables. Il surpasse les sorciers. Il surpasse les crises. Il surpasse les politiques. Il surpasse tout autre pouvoir. Oh, toute autre domination. Tout autre pouvoir. Il les dépasse. Il est au-dessus. Il n'a pas été créé, mais il a créé toutes choses. Il est au-dessus. Il est temps de les reconnaître et de les placer à sa place. Comme nous l'avons dit, prends ta place. Dans ma vie, prends ta place. La place suprême. La place de priorité.
la place de gloire, la place suprême. Oui, Seigneur, tu es souverain. Regarde-le au-dessus de ta maladie. Regarde-le au-dessus de tes problèmes. Regarde-le au-dessus des diables. Regarde-le au-dessus de ces péchés qui te dominent, qui te menacent. Regarde-le au-dessus. Regarde-le au-dessus. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute principauté. Au-dessus de tout pouvoir. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Ici sur les terres, dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Il est au-dessus. Parlant de Jésus, la Bible dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. La supériorité. Il est plus que les anges. La supériorité. Au-dessus des décisions gouvernementales. Qu'importe la décision administrative qui plane sur ta vie. Ce soir, il faut que tu comprennes. Ton Dieu, c'est un Dieu souverain. Elohim, l'être suprême qui est au-dessus des décisions des gouvernements. Il peut les changer. Il peut les modifier. Il peut les transformer. Au-dessus de puissance. Ça sera dangereux cette année 2023. Ça sera tellement terrible cette année 2023. J'entre dans cette année avec la conscience de la suprématie de Dieu. D'un Dieu suprême. Conscient de sa suprématie, je domine. Conscient de son autorité, je domine. Je marche dans la domination cette année parce que je sais qui il est. Merveilleux sauveur. Merveilleux sauveur. Hallelujah. Merci Seigneur. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si l'océan. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Non, c'est une proclamation de l'homme et de la femme qui a compris la suprématie de Dieu. Et il les proclame. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Il est encore, même si je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. Oh, même si les océans, les océans, ah, déclare-le bien. Je les traverserai avec toi. Déchaîne, que les démons se déchaînent. Je sais que tu domines sur la maladie qui me domine. Tu domines. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là.
Alors j'aimerais maintenant, là où tu es, lève-toi, ne reste pas assis. Alors que tu es debout, tu commences à proclamer la domination de Dieu sur les choses qui te dominent. Proclame, j'ai dit, proclame la domination de Dieu. S'il y a une maladie qui te domine, commence à proclamer la... Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille, car tu es là. Proclame la domination de Dieu. La Bible dit, domine sur tout. Quel est ce tout qui te menace? Proclame la domination. Merci Seigneur. Je le traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est l'être suprême? Elohim, le Dieu élevé, le Dieu haut, le Dieu suprême. Merci Seigneur. Celui qui domine sur toutes choses et qui n'est dominé par rien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous voulons t'apporter nos offrandes ce soir. Nous les faisons avec reconnaissance et avec confiance. Parce que tu es celui qui domine sur tout. Même l'argent, cette année, ne dominera pas sur nous. C'est pourquoi nous pouvons les libérer avec facilité et avec foi. Que cet acte que nous posons, c'est un acte de domination sur l'argent. Ça sera à notre pouvoir. Et cela va nous être sous notre autorité. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu fidèle et bénis chacun de nous dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. 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 Nous avons nos paniers d'offrandes qui sont là. Vous qui êtes en ligne, vous pouvez aussi apporter vos offrandes. Nous avons également notre terminal carte bleue au fond de la salle. Vous pouvez apporter vos offrandes et en même temps, nous voulons nous donner... Nous laissons Raph Gospel Music de nous conduire un temps de louange. Est-ce qu'on peut y aller avec le vent? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour la gloire du Seigneur? Oh, 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 oh. Créateur, créateur de tout l'univers, que ne peux-tu faire? Que peux-tu faire, Jésus? Nom au-dessus de tout le nom, nom au-dessus de tout le nom. Que ne peux-tu changer? Que peux-tu changer? Que ne peux-tu changer? Que peux-tu changer? Jésus, Jésus, tu es capable, tu es capable. Grand et redoutable, grand et redoutable. Tu es capable. Tu ne peux transformer, tu es capable, grand et redoutable. Je place ma
Acclamons le Seigneur qui est capable. Non, je pensais que tu pouvais acclamer le Dieu suprême. Ah, nous avons un Dieu suprême. Acclame bien le Dieu suprême. Parce qu'il domine, cette année je domine. Amen. Gloire à Dieu, nous reprenons nos places pour quelques secondes. Merci encore au pasteur pour ce merveilleux message qui a été béni ce soir. Amen. Avant la création, il y a un créateur et il est suprême. Amen. Et parce qu'il domine, cette année nous dominons. Dis à quelqu'un, parce qu'il domine, je domine. Bon, lui, il n'est pas convaincu, cherche quelqu'un d'autre. Dis-lui, parce qu'il domine. Parce que lui, il ne s'agit pas du bâton de Moïse. Waouh! La mer s'est retirée devant son créateur. Merci beaucoup, pasteur. Alléluia. C'était très profond. Amen. Alors, comme vous le savez, MJP vient de démarrer. C'est vrai qu'on était là depuis 12 heures sur la ligne de prière, mais là, officiellement, c'est parti. Amen. On a mis les habits de combattant de prière. Donc, dès demain matin, ce que le pasteur a dit, c'est que la compréhension de la suprématie doit nous motiver à la prière. Amen. Parce que nous prions un Dieu qui peut changer les choses. Amen. Donc, dès demain matin, dévotion matinale à partir de 5 heures, nous sommes là pour prier. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez venir ici en présentiel. Nous serons bénis, mais vous êtes connectés sur EPS TV. Et à partir de midi jusqu'à 18h, nous sommes en ligne de prière avec les intercesseurs pour nous conduire dans la prière. Bien-aimés, on doit saturer ce début d'année avec notre prière. Amen. Et à 19h, dis avec moi 19h, nous sommes ici et nous continuons encore. Amen. Et nous pouvons dominer la fatigue et dominer la distance. Je veux que tu le dises très fort pour ceux qui sont là-bas. Domine la fatigue et domine la... Amen. Domine la fatigue et domine la distance et domine le froid. Amen. Nous pouvons nous lever pour clôturer ce moment. Je veux que tu acclames cette belle parole. Ouh! Alléluia. Père éternel, nous te disons merci. Merci d'avoir placé nos regards sur toi ce soir. Avant de placer nos regards sur la création, avant de placer nos regards sur nos capacités, nos diplômes, nos efforts, ce soir tu as voulu que nous puissions d'abord te regarder toi. Toi qui dis « Je suis l'Éternel ». Toi qui dis dans ta parole « L'Éternel est dans le ciel et il fait ce qu'il veut ». Et ce que tu veux pour nous cette année, c'est que nous puissions dominer. Ce que tu veux pour nous cette année, c'est que nous puissions être dans la victoire. Laisse que ton peuple aille dans la victoire. Et demain, à partir de 5 heures, soutiens-nous afin que nous soyons branchés, connectés à ta force suprême. Bénis ton peuple qui était ici présent et qui était connecté partout dans le monde. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain.